Hey les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie, que tout se passe au mieux et que... Attends, je baisse un petit peu ça là, parce que même si c'est pas très fort, il y a un peu de son. Et je sais pas si t'as déjà... vu une salle de concert comme ça, mais totalement vide. Hein? Ah, je sais pas, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Enfin, pas totalement vide, vide de son. C'était voulu, c'était parce que M faisait une surprise à ce moment-là, des personnes qui montaient sur scène. Et du coup, bah, comme il faisait des surprises, bah forcément, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh ben, il fallait pas faire de bruit pour que les gens, une fois qu'ils enlèvent leur bandeau, se rendent compte qu'ils sont sur scène devant des milliers de personnes et nous, on devait les acclamer, chose qu'on a faite juste après. Et donc moi, je me suis fait un petit challenge avant que je vous présente justement les matchs de chacun que vous devrez faire, etc. Je me suis fait un petit challenge qui était le challenge de jouer justement pendant ce concert. Mais ouais, pendant ce concert. Et ce qui donne ça. Donc là, vous le voyez, en fait, en haut à gauche, donc c'est bien moi, vous voyez, on voit les gens derrière, et je lance donc mon match, mais non, je ne l'ai pas lancé, oh, je suis un ouf, on était en plein milieu, pardon, autant pour moi, là, maintenant, non, je le lance vraiment, là, le match est vraiment lancé, je suis désolé, il va engager dans cette partie-là, donc forcément, je me barre, t'as lu, je me barre. Et donc ouais, ce concert était magnifique. Il y a des choses voilà, que j'ai un peu moins aimé, mais chacun ses goûts après tout. M, j'ai toujours bien aimé. Maintenant, c'est pas forcément mon artiste préféré. Ça fait partie des. Je vois ça sur ce groupe. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté vraiment de musique de lui. Mais ça reste quand même quelqu'un que j'admire. J'admire pour sa façon de penser. Pour ce qu'il est et tout ça, tu vois, hein. Eh, t'as remarqué quand même, on se la pète un petit peu là. On a un écran ici, donc qui est censé me représenter, qui est pas censé me représenter, c'est moi. C'est cet écran là, donc qui est là, et je peux le mettre avec du Discord, tu vois. Du Discord. Par contre, le Galaxy S7, il est plus là, pourquoi? Attends, je me suis gouré, attends, parce que le match, on le voit plus. On le voit plus, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Voilà, on va le retrouver. Il est juste en bas. Voilà, donc le Discord qui est juste là. Quelqu'un sait s'il va y avoir un tirage pour Noël? Non, si tu parles de ce que je compte justement offrir à celui qui gagne. Non, c'est pas un tirage. C'est un choix que lui fera dans une liste que... Faut pas que j'en dise trop. Voilà, il faut que ça vous donne envie quand même d'y aller. Et comme je dis, je ne mets pas un gros investissement sur le premier, peut-être sur les autres, on verra. Mais en tout cas, pas forcément sur le premier. Et donc, ouais, ce sera ouais, une forme de tirage. Donc là, comme vous voyez, il y a 2-0. Donc là, je vais continuer à commenter un match. À la fin, je vais en faire un parce que tu vois, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de match live, donc j'en ferai un. Alors juste avant, putain, c'est chiant. Je suis désolé parce que le ballon là, il est là-haut et j'aimerais que vous puissiez le voir quand même, mais je ne sais pas du tout. Il va falloir que je m'y retrouve. Hein. Vraiment, il va falloir que je m'y retrouve. C'est iOS, ouais. Oh putain, mais c'est pas le bon écran. Ok, je viens de planter. Ok, je viens de planter. Et du coup, oui, je suis pas sur le bon écran. Il est où cet écran là? J'ai un gros souci, je le retrouve plus. Ah ouais, d'accord, il est là. Donc, oh, c'était pas mal ce tir, t'as vu? Où ça revient un peu en arrière. Ouais, j'ai réussi à trouver la solution pour pouvoir le virer, tu vois. Là, on me voit de l'autre côté, hein. Je suis tout content de bien perdre et de faire que de la merde depuis tout à l'heure. Bon, là, je l'ai renvoyé tranquille, donc ça va. Ouais, je vais vraiment faire un match, je te le dis, un match là tout à l'heure, enfin, juste après la présentation du reste des gens qui restent à jouer. Ouais, je le ferai à ce moment-là, je le ferai.
Je vous ai dit qu'en ce moment, je galérais beaucoup pour les enregistrements. Je crois que j'arrête pas de vous saouler avec ça. J'arrête pas de vous saouler. Moi-même, je me saoule avec ça, tu sais. Mais vraiment, vraiment, je me saoule. T'as remarqué aussi que j'avais rasé ma barbe? Non, vraiment, je me saoule fort. Je me saoule fort avec ça. Donc là, voilà, c'est ce qui va causer ma perte. Et voilà, c'est ce que je dis d'ailleurs de l'autre côté. Et donc, c'est ce qui fera que... Voilà. Il va finir là-dessus et ce sera plutôt bien joué de sa part, hein. Donc le match s'est arrêté là. Est-ce que d'ailleurs je vais pas faire un match avec ce téléphone là parce que ce téléphone là est en mirroring, c'est celui qui est sous Android. Disons que ça marche pas très très bien, je sais pas si tu comprends mirroring, mais voilà, ça marche pas au top. Donc là ce que je vais vous mettre, ce que je vous mets là, c'est donc les tournois et surtout les matchs restants à jouer, sachant qu'il y en a quelques-uns qui se sont joués vite fait à certains moments. Maintenant, je sais pas lesquels exactement, mais en tout cas, certains se sont déjà joués. Voilà. Donc, dans les joueurs que vous voyez là, forcément, bah, vous voyez les personnes... je suis en train de faire un truc qui n'a rien à voir. Mais donc vous voyez les personnes qui devraient jouer, qui sont Kyros et Alexandre. Match ensemble, il me semble que vous l'avez fait, il faut que je revérifie. Sean et Hypersent, alors Sean plutôt a un petit souci en termes de connexion. Donc ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Cela dit, c'est juste que tu reportes un peu le match. Il n'y a pas de souci tant que tu rentres en contact avec nous et que tu peux nous informer et nous tenir informés de la situation, n'est-ce pas? Cyprien qui joue contre Steve et Thibaut qui joue contre Mafia. Voilà, donc ces matchs-là, s'ils ont été faits, n'hésitez pas à me le dire. Il y a une section spécifique dans Discord qui vous permet de laisser les screens. Si vous n'avez pas pris screen, j'aimerais que l'un des deux me dise qui a gagné, n'est-ce pas? Ce serait plus simple. On a ensuite Aubert qui joue contre Noé et Thibaut qui joue contre Rudy. Ouais, contre Rudy Merveille, voilà. Voilà, et donc en dernier... Dans les derniers groupes, nous avons donc Alpha qui joue contre Tony, qui a été renommé entre temps, qui s'appelle plus Tony, mais qui s'appelle... Je sais plus, mais en tout cas, j'ai modifié déjà dans le fichier. Là, la capture date de ce matin, donc forcément, je l'ai pas. Il s'appelle Fantastique, je crois. Ouais, humble le mec, humble, hein. Tony, je pense que voilà, c'est ce qui te... Voilà, donc ensuite on a Bader contre Adrien. Est-ce que ce match a déjà eu lieu? Je sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si jamais les matchs ont déjà eu lieu, à me l'indiquer, à me dire, voilà, tel match a eu lieu, tel match n'a pas eu lieu. Vous me l'indiquez, moi ensuite, bah, je fais en fonction d'eux. Et puis on voit tout ça, tu vois. On voit ce que ça peut donner. Je ne sais pas si je fais une démo ou si je joue. C'est une question que je me pose. Voici un match à 500 000 qui a été joué récemment. Enfin récemment. Bah, tout est relatif, qui a été joué il y a 2-3 jours. Donc les matchs à 500 000, j'en perds beaucoup. Je tiens à vous le dire, histoire que voilà, je suis pas non plus... c'est pas parce que j'ai une scène Soccer Star que je suis le mec le plus balèze à Soccer Star. Hein. Je suis loin de là, je suis... et même ça fait 2 ans que je joue. Ça ne fait pas de moi le boss de Soccer Star parce que j'y joue depuis 2 ans. En 2 ans, j'ai appris énormément de choses. Et en termes de jeu, je trouve que voilà, j'ai un jeu plutôt. J'aime encore jouer, tu vois, aussi d'un autre côté. Mais j'ai un jeu que voilà que j'apprécie, même si je fais pas mal d'erreurs. Je pense que voilà, il y a toujours des moments où, au début, j'essaie de me perfectionner en précision. Petit à petit, ça a plus été de me perfectionner en ceci, en cela. Là, c'est plus la précision. La précision, je l'ai eu, bon, je l'ai plus tellement. Aujourd'hui, je pourrais l'avoir en tirant tout doucement ou des trucs comme ça.
Mais voilà, c'est pas encore forcément le cas, tu vois. Donc voilà, ces matchs sont plutôt, voilà, sont plutôt en général assez bien foutus. Je teste en même temps, tu vois, c'est pour ça que tu me vois de temps en temps modifier, changer au niveau de l'écran. C'est surtout pour les futurs lives qui vont se préparer et quand je vais pouvoir insérer justement chacun de tous ces éléments, ce que ça pourrait donner. Je vais vraiment baisser le son du S. J'ai peur que le son du S7 soit très fort. J'ai pas de retour du son du S7, donc je me rends pas trop compte. Mais ouais, non, j'ai vraiment peur qu'il soit un petit peu trop fort. Donc voilà, oui, pas mal de choses en perspective à prévoir. Ouais, j'aimerais juste vous rediffuser parce que je voulais montrer là. Attends, bah non, parce que justement je. Ouais, je voulais montrer assez rapidement. Je vous mets le match en pause. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est ce qui va servir de vignette pour les futurs matchs, si jamais ils se jouent. Hein, c'est ça que c'est le plus important, hein, le fait qu'ils se jouent. C'est ce qui va nous servir de vignette. Donc, alors attendez. Pour revenir, donc on a Shun contre High Percent, donc qui joue en premier. Ensuite, on a donc Steve contre Cyprien. Alors Steve, il serait important que tu puisses revenir et envoyer éventuellement AMP à Cyprien pour que vous puissiez jouer, puisque Cyprien a beaucoup de mal à te contacter. Cyprien, Thibaut qui joue contre Mafia. Donc là, pas de problème. Tous les deux, on vous retrouve régulièrement sur Discord. Alexandre et Kiros, pareil. On vous retrouve assez régulièrement. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que vous puissiez vous retrouver. Alpha et Fantastique, donc anciennement Tony. Pareil, essayez de vous retrouver. Il n'y a pas de souci. Vous êtes tous les deux sur Discord. Donc il devrait y avoir moyen de faire votre match assez rapidement. Bader et Adrien, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il me semble d'ailleurs qu'il a déjà été fait votre match, mais à moi de vérifier. Rudy et Thibaut, pareil, match à faire, à réaliser, etc. etc. Bon, on arrive effectivement au dernier. Donc c'était bien ça, hein, pour ceux qui ont vu défiler leur match. N'hésitez pas, il y en a un que j'ai pas mis parce que tout simplement lui je l'ai déjà en live, donc il n'y a pas de souci. On va donc en profiter pour continuer notre match. Et tu vois, je pourrais très bien faire défiler justement en bas les photos des personnes qui doivent faire leur futur match et déplacer au fur et à mesure. Je le trouve mortel ce logiciel. Alors bien sûr, j'ai connu un logiciel beaucoup plus performant que celui-là. Cela dit, je le trouve vraiment, vraiment mortel. Voilà. Je déplace un petit peu. Voilà, comme ça, je peux faire défiler. Tu vois, c'est moi qui fais défiler manuellement les photos sur la partie basse, ce qui est pratique. Attends, ce qui est moi qui, ouais, c'est bien moi. C'est bien moi. Donc, ouais, ce match était plutôt sympa. Là, pour le moment, il n'y a aucun but. Ce qui ne serait tardé. Je me demande d'ailleurs si j'en fais pas un directement avec vous. Plutôt que de vous rediffuser un match, parce que ça, je peux le mettre en musique et après le mettre après. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai ou pas? Moi, je pense que c'est vrai. Je vais juste virer rapidement. Donc, virer rapidement. Putain, trop de trucs. Virer, je vous laisse le match. Ça, je vire. Photo match, il n'y a plus besoin. Bah non, là, vous n'aviez pas le match. Là, je suis con. Alors, moi, j'étais en pleine rediffusion. J'avais l'impression que vous voyez le match, mais en fait, vous voyez que dalle. Donc là, oui, vous voyez le match là actuellement. C'est plus les gens qui bougent. Donc de toute façon, il n'y a pas eu de but entre temps. J'étais justement en train de me poser la question à savoir est-ce que je fais un match ou pas. Hein? Pas mal, hein, ce petit revirement de situation face à mon adversaire. Je me posais donc cette question est-ce qu'on fait ça ou pas. Ah, j'hésite vraiment parce que. Oh, quoique. Et pourquoi je viens mettre ma photo pile, enfin la vidéo pile poil au moment où il y a le but? Tiens, bah pour la peine, regarde. Je suis cool. Attends, je vous le remets.
Parce que voilà, c'est plutôt. Hop là. Ouais. Mais attends, je suis con. Je vous le remets. Ah, le mec, il a rien compris. Je vous le remets, mais il y a toujours la photo. Ah, attends, je te le remets, là pour de vrai. Hein, je te le remets pour que tu puisses bien voir. Hein. Il n'y a plus ma gueule devant, tu vois. Voilà, c'est, ça rentre comme ça, tranquille. Ça, c'est pour le, ça, c'est pour le, ça, c'est pour le premier. Alors, du coup, est-ce que je te mets donc le deuxième directement? Alors, le deuxième, à quoi ça ressemble? Attention, on revient en arrière. Le deuxième, c'est là ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui, donc c'est là, et ensuite, donc là c'est lui qui va marquer un but, à ce moment-là, n'est-ce pas? Voilà, c'est plutôt bien joué. Et ensuite, va-t-il égaliser, ou vais-je, moi, de mon côté? Eh, attends. Je voulais voir un truc. Est-ce qu'il a réussi à l'enfoncer? Ah oui, d'accord, ok. Oui, si, il avait réussi à égaliser. Et pourquoi ça marque aussi vite après? Putain, pourquoi le... De mon côté, l'écran s'est assombri, là. Il fait sa décision. Enfin, il prend ses décisions tout seul. Ah non, c'est mon adversaire qui a marqué. Ah oui, bah oui. Bah ouais, voilà. Ah ouais, le mec, il a cru que ça y est. Hein? Que c'était la fête. Ah putain. Non. Alors voilà, c'est ça qui plante de temps en temps mon OBS. C'est quand... Et c'est chelou, hein. Mais c'est quand je retourne mon écran, d'un seul coup ça plante. Donc je vais arrêter mon enregistrement à ce moment-là, je suis désolé, je pourrais pas faire de match directement avec vous, à moins que je bascule en mode iPhone. Si je bosse... Et donc ouais, si je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Basculer en mode iPhone, parce que l'iPhone, vu que je passe en mode paysage ou machin, ça fait pas planter mon truc, tu vois. Donc est-ce qu'on se fait un petit match à 50 000, histoire de se quitter comme ça sur un match, sur quelque chose de concret à grignoter? Je pense que c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée, hein. Donc on peut se faire ça, et on va se le faire. Et c'est parti, tu vois, tout de suite. 50 000, je suis désolé, c'est parce que je peux pas vraiment beaucoup plus. J'ai pas envie des matchs à 100 000, parce que c'est limité dans le temps, il y a que des bâtards. Donc je préfère, moi, jouer les matchs à 50 000, je dis pas qu'il n'y a pas de bâtard dans le match à 50 000, mais disons que, ouais, les matchs à... Si, ouais, les mecs, c'est... Non, j'ai pas envie. Cela ne m'intéresse pas, vois-tu? Voilà, ça c'est mon nouvel engagement que je viens d'inventer, tu vois. Il est pas mal parce que en fait, il permet que des renvois bien pourris. Et donc, ça permet... Est-ce que c'est bien de la merde ce que j'ai fait? Oui! Est-ce que ça va faire un but? Non. Non, pas de but par contre. Ouais, t'as vu? Heureusement. Il y a cru quand même. Oh, j'ai trop envie. Oh là, je t'avoue, c'est... Ouais, voilà, c'est... On me tend une friandise, je la prends, quoi. C'est un beau tir double rebond sympa à placer. Donc voilà, bien sûr, ça, je dis pas que c'est pas dangereux, c'est un des trucs les plus dangereux, même ce que j'ai fait là, c'est dangereux aussi, c'est bien que ça y rebondit pile poil à l'endroit où je voulais, dans le coin entre les deux, pour éloigner le pion du bord, et donc me permettre de... Oh putain, je voulais que ça touche la balle, mais pas à ce point-là. Ils sont vraiment sympas, ces pions, ces serpents étaient quoi? Dire un petit robot, non? Moi, je trouve qu'on dirait un petit robot. Ah, putain! Ce que je me disais, je le maîtrise pas encore parfaitement. Et par rapport à l'endroit où je voulais aller, donc c'était au-dessus de mon pion vers ses cages, ah, c'était un peu tendu. C'était un peu tendu. Bon, ce serait bien que j'égalise parce que vraiment perdre 2-0, voilà quoi. Et donc, pour ça, il va falloir que... On se la joue protection et qu'on attaque en douceur, sachant que lui-même, vu ce qu'il va faire comme geste juste après, est vraiment dans la protection aussi. Voilà. Oh, comment c'était bien joué!
Et franchement, je n'ai pas tout calculé. J'ai calculé les deux premiers moves contre les pions et pas le fait qu'à la fin, il aille ramener le pion, que machin, que truc. Non, non, pas tout ça, non. Non, non, pas à ce point-là. Je me garde un pion tampon, j'éjecte l'autre pion. Il revient se placer pile poil devant. Là-dessus, tu peux rien faire. Donc, tu fais comme les mecs qui n'ont pas d'idée. Tu te protèges des cages. Et comme les mecs qui n'ont pas d'idée, il va venir les casser. Voilà. Et donc là, en fait, si tu veux, ça peut durer 3 heures. C'est-à-dire, moi, je protège, Lucas, je protège, Lucas. Mais il gardera ses pions là-bas, dans le coin. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller protéger ses cages à lui. Voilà. Je vais aller là. Et l'autre pion, je ferai pareil. Enfin, lui, il va le dégager aussi parce que, bon. Voilà, je vais aller protéger ses cages. Voilà, je protège ses cages à lui. Je me garde juste un pion dans le coin en bas au cas où si il tente un truc. Chose qu'il fait juste là. Ouais, bien vu, mais malheureusement non. Tiens, qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus? Il va se faire chier. Ouais. Non, est-ce qu'il se fait chier? Non, il se met direct un petit pion dans les cages. Hop là! Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire là-dessus? Moi, là non plus, c'est pas trop chier. Allez, on va aller faire une petite mêlée autour du ballon, d'accord? On va dire que voilà, le ballon, c'est son baptême. C'est sa fête, son anniversaire, et qu'on s'est tous réunis. Allez, c'est l'anniversaire du ballon. Ouais, il nous a invités, nous, les pions feu. On arrive, attends, attends, laisse-moi venir. Il a fait une petite raie. Sois tranquille, t'as vu? Il y a du monde. On est posé. Ouais, ah oui, putain, il y a du monde de chez toi aussi qui vient. Je vais juste en garder un, comme je disais, là-bas dans le coin. Voilà, juste là, je ne mets pas dans les cages pour éviter que, il ramène un de ses pions pour le virer, machin. Donc voilà, je vais remettre autour comme ça, tu vois. Faire une mêlée. Tu vois, parce que lui, son but, c'est de mettre devant les cages. Moi, ça va être de mettre devant le ballon, tu vois. Regarde, petite mêlée. Obligé de retaper mon pion. Normalement, ça va l'énerver. C'est ça, en fait, qu'ils font, les mecs. Tu vois, là, c'est moi qui suis en train de l'énerver. En fait, ils ont une faculté d'énervage assez puissante. Tu vois, comme dans la vraie vie, t'as des mecs, c'est juste des relous, mais ils aiment ça. Ils aiment être relous. Ils aiment te faire chier, quoi. Et, ah, il faut, ouais, si ça peut, ça peut être sympa, mais. Mais voilà, non, j'ai dit que je ramènerais personne. Donc, non, à part lui. Que je gardais lui. Et que les autres, ils étaient invités à l'anniversaire du ballon. Donc, les autres, ils restent autour du ballon, comme ça, tranquille, t'as vu? Hop. Et, bah, tu vois, toi, je vais te mettre dans le coin ici. Bon, j'aurais bien mis plus dans le coin encore. Voilà, on laisse se défendre, continuer son petit truc. Putain, je vois rien là. Avec ce doigt-là, c'est plus simple. Voilà. Bon, là, maintenant, tu tentes en force, quoi. T'as pas peur. Putain. Tu rates là-dessus, franchement. Franchement, voilà. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là-bas. Voilà. Non, je vais arrêter d'être relou. Dire 71%, 25%, ça va être le mec qui surprotège à chaque fois. Vas-y, on va jouer en vrai, on va se remettre tranquille. Putain, mais sérieux, tu trouves le moyen de trouver rien à faire là? T'es protégé de malade et tu trouves le moyen d'avoir rien à faire là. T'as 71%, mec. Ce qui veut dire que t'es censé être bon, mec. Et que là, pour moi, t'es juste une sous-merde. Mec, donc joue, fais quelque chose, sors-toi les doigts, putain. Non mais sérieux, c'est pour faire ça que tu joues? Bon, allez, on renvoie là-bas. Le jeu bien de merde. Bien pourri, je suis désolé les gens. Vraiment, m'en voulez pas. Là, je prends un peu de plaisir quand même à le faire chier. Mais je m'en foulais pas. Parce que je pense que visuellement, c'est pas forcément les matchs les plus cool à regarder, tu vois. Je pense même que c'est des matchs relous à regarder, tu vois. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense qu'elle va durer longtemps.
Je t'ai dit que j'avais planté sur deux autres. Ça dure longtemps parce que le mec il sait pas jouer en fait. Et du coup, tu vois, là ça se tente exactement. Ici tu tentes. Voilà, et après tu marques. Et après tu me mets 2-0. Bon, il était pas bon en fait. Mais moi, vu que c'est moi qui ai perdu, c'est moi qui étais pas bon, t'as envie de te dire. Hein, c'est ça que t'as envie de te dire. Enfin, tout va bien, t'inquiète pas. Allez, je vous remercie les gens, je vous dis à très bientôt et kiffez la vie parce que la qui. Ok? Bon, et tu fais pas chier, merde. Si la vie elle te kiffe pas, tant pis.